C'est dans une opération complexe de nettoyage de lunettes. Semble être un succès. Oh là là. Oh, le mec il est au taquet quoi. Petit week-end de 3 jours. Et pour bien le casser, je fais le matin toute la semaine et on me met la nuit le vendredi. J'aime bien. Il est où ce con de robot? Laissez-moi deviner, il est tout seul comme un con. À l'aiguillon. Bien joué, voici votre part. Rebonjour. Trouvez ces créatures, les élèves. Si vous voulez les voir saigner, je serai ravi. Le prix varie. Je vous aiderai à organiser de bons matchs. Vous payez, vous pariez, et je vous offre le plus magnifique spectacle. Ah bon. Et dans votre cour. Vu qu'on est censé récupérer des œufs de menthe. On tue des menthes. On va récupérer des œufs de menthe. Même pas. Il y a certains qui sont modos et qui n'ont même pas donné de l'argent. Elles n'ont rien sur elles, ces putes. Non mais... Là, je mets les gens modo en qui je pense avoir confiance. Forcément, quelqu'un qui met 50 boules sur le stream. Bien joué. Voici votre part. J'imagine. Rebonjour. Après, si tu veux pas être modo, c'est pas un souci, hein. Et je ne... Les rats de scorpion. Bon, j'ai dit que je pense pouvoir, hein. ça veut pas dire que forcément... Ouais, lui il est mort bloqué dans le sol. Ouais non, il y a eu un bug en fait. Elle est bien bonne celle-là. Tu veux vraiment que je brise ce moment? Rebonjour. Je vais regarder... Alien Resurrection... et j'aime bien. Bon,
ces binocles étaient là, je crois qu'ils seraient des abonnés instant. Ah non, il est bugué. On va juste bien gentiment récupérer notre petit robot. Et on se casse de là. Bon, le... C'est lequel le dernier? J'en vais me dire. Ah, Covenant. Ok, ça va. Bah, tu réimagines ce que j'ai dit, mais avec Covenant. Bon, ça casse un petit peu l'effet de surprise. Oh, la manière. Ça servait à rien. Faut attendre que ça se réactualise.
Et un défi qui consiste à péter des bras gauche. Au bras droit. Merde. Enfin, le gauche, le droit, c'est à peu près la même chose quand même. Ça va. Oh, ce serait une infirmité. Observe mon royaume. Ah, j'ai encore eu un copyright sur ma vidéo précédente, enfin mon stream précédent de Fallout. Sur une musique d'ambiance. Une putain de musique d'ambiance. Non mais... Vu que c'est une vidéo de 6 heures, je peux pas le modifier. Et vu que sur les précédents copyrights, ça coupait carrément le la vue au stream de beaucoup de pays. Je pense que je vais devoir le télécharger, je le couperai en deux, comme ça sera plus simple. Ce sera chiant quand même. Le super mutant qui m'envoie dans un... cratère de bombe atomique. Le petit headshot qui passe bien. Je sais pas si ça a compté pour moi en fait. Hein ? Disons que j'ai pas spécialement l'arme la plus appropriée non plus.
Non. Je m'en fous, j'ai fait mon coup critique et... je l'ai fait son infirmité. Bon là, où est-ce qu'il va? Et il cavale chercher une arme à l'autre bout de la planète. Qu'est-ce qu'il fout là, mon robot aussi? Voilà. Super mutant. Je sais où il y a une masse. J'ai bien mis le thème de Benny Hill. Bon, après, c'est quand même une super masse. Ça vaut des thunes. Et la thune, c'est bien. Le truc qui doit être bien aussi, c'est mon niveau de radiation. Ah, tantôt. Abomination. Parlons d'abomination. Est-ce qu'on a encore? Nananer. Ok. Ah voilà. J'ai bien fini. Pas de sûr. Ah, c'est ici que j'étais mort l'autre fois. Ah, ça va être chaud la radiation. De cette merde. Bon. Il a passé une mauvaise journée. Les pattes trois comptes comme infirmité en bras gauche. Ah bah oui, forcément la caméra m'a remis dans l'autre sens. Oh bah oui, bon, après il faut savoir le réparer. Code de mission, CB03, mode passe temporaire, le meilleur de la valeur. Résumé, Paladin Hughes et
Fairbanks, vous irez au nord vers le réseau de communication situé à proximité et chercherez les pièces mentionnées dans le briefing. Par le passé, les mutants qui sont là-bas se sont montrés raisonnables et pourraient se révéler utiles. Tiens, c'est autre chose que la confrérie de Fallout 4. Les mutants, tuez! Mais ils peuvent nous tuer! Mais ils vont nous tuer! Ça va, hein. Ça va, hein. Famille de saloperies dans le fond, on dirait. Tous ces putains de points rouges là. Scorpion. Pour le sol. Hidden Valley. Ah voilà, c'est ça, ouais, c'est ici avec la confrérie. Un bunker. Il y a une mission qui nous envoie ici normalement. Ils ont l'air de pouvoir faire une bonne planque. Il fait chaud, sec et un ménomètre bizarre intervenant la nuit tient des prédateurs à distance. J'aimerais bien commencer à m'installer, mais il y a quelques points intéressants dans le coin que j'aimerais bien explorer d'abord. Je ne sais pas combien de temps ça va demander. De la merde non plus. Il y a un coffre aussi, je crois. Ah.
bip bip bip. Restez où vous êtes. Je vous... s'y cachait. Et faites ce que je vous dis. Votre vie en dépend. Enlevez tout ce que vous portez. Armes, munitions, vêtements, armures. Je veux vous voir en sous-vêtements. Il n'y a rien à discuter. Vous pouvez nous remettre lentement votre équipement ou... Enlevez tout et remettez-le moi. Ensuite, entrez et franchissez... On va se faire violer. Comment avez-vous eu ce mot de passe ? Et dites la vérité. Pour l'instant, c'est moi qui pose les questions. Le mot de passe que vous avez fourni est correct, mais ancien. Vous n'avez pu l'obtenir qu'auprès d'une de nos patrouilles disparues. Voilà une histoire intéressante. Elle est peut-être même vraie. Dans des circonstances ordinaires, votre récit ne ferait aucune différence. Vous ne seriez déjà plus qu'un cadavre. Mais heureusement pour vous, probablement, l'aîné McNamara veut vous rencontrer. Alors suivez-moi, et de près, sinon on vous tirera dessus. Au moins on nous épargne le... fait de marcher. J'ai appris que vous nous apportiez de mauvaises nouvelles. Une triste nouvelle. Merci de me l'avoir rapportée, mais le problème reste entier. Quelqu'un de l'extérieur connaît notre position. Vous avez pris un risque considérable en venant ici. Mon principal souci est la sécurité de ce bunker. Et je fais tout pour minimiser notre présence en surface. C'est pourquoi j'aimerais conclure un accord avec quelqu'un de l'extérieur pour mener diverses tâches. Certaines simples. Un ranger de la RNC a commencé à s'installer dans un des bunkers de... Très bien. Je suis impatient de découvrir... Le paladin Ramos vous escortera jusqu'à l'entrée du bunker et vous relâchera. Vous n'emporterez pas le secret de ce bunker au-delà de Hidden Valley. On va avoir un joli petit collier. De vos capacités et de votre... Nous allons d'ailleurs vous équiper d'un collier explosif. Si vous... Vous trouverez vos affaires dans le coffre, sur votre droite. Inutile de... Je sais pas s'ils vont me les retirer encore après. Ouais. Collier SM de nouvelle génération. Là, ils ont poussé le SM un petit peu loin et ça devient du snuff movie en fait. Pourquoi on m'envoie là ? Je me demande s'ils ont pensé au fait que les gens se rhabillent pour aller faire la mission ou s'ils restent à poil et qu'ils te fassent la remarque. Tiens, t'as un drôle de collier autour du cou. Ça pourrait être marrant. On espérait me surprendre. Ah, vous avez du cran, mon vieux, ça me plaît ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je me suis dit que je pourrais installer une planque dans un de ces bunkers. Entre l'isolement et les tempêtes de poussière, c'est l'idéal.
Bien sûr, c'est nettement moins isolé depuis votre arrivée. Et je n'ai pas réussi à faire marcher ma radio et une... Je crois que je vais rester un moment dans le coin, patrouiller à la recherche de fauteurs de troubles. Oh! Vous l'avez vu de vos yeux? Bon sang. Je savais que le gang de Cook passait parfois par ici, mais pas qu'il s'agissait de sa base. Ça aurait été un drôle de réveil de me retrouver avec une quinzaine de ces fumiers autour de moi. Ouais. Je ferais mieux de m'installer près d'une route pour attraper des déserteurs. Merci de me... Ouais, casse-toi. Oh. Oh. Ah. Ah bah oui, il est pas content. Les rouflaquettes du swag. On espérait me surprendre. Le mec il se casse, il est ses blagues, ses... ses munitions, ses bouteilles d'eau, sa radio. En fait il est tout ici. On s'en bat les couilles. Voilà un qui a pas dû avoir bon. Et de ce fait, il y a un bunker, je crois que j'ai pas visité. On a 4 et j'en ai visité 3. Ah oui, c'est vrai, c'est dans le courant du mois. C'est le 7 ou en plus. Voir s'ils vont nous montrer pour Far Cry. Sinon ouais c'est vrai qu'ils vont annoncer des jeux à l'E3. Bethesda 2 apparemment. Pas ce bestia pas encore. Sur un Discord avec binocle. Merde. Évidemment. Le Mister X. De mettre autant d'armes nucléaires dans des bunkers anti-nucléaires. Le 3.
Ah oui, j'ai oublié Days Gone aussi. Oh, j'attends de voir. Sinon, éventuellement, ouais, l'annonce de Bethesda, Far Cry 5, Days Gone. Entre ça, on peut avoir de bonnes surprises. Hein. Parti. Oui, vous avez. Il restera à distance et montera des embuscades sans se douter que ces bunkers étaient plus dangereux pour lui que des criminels. Puisque vous avez mené à bien votre tâche. Voilà. C'est mieux, j'imagine. Passez à la salle de commandement quand vous le pourrez. Ce dont je désirais vous parler peut attendre que je sois dans la salle de commandement. Non. Pétez les couilles. Bah, je me rappelle avoir fait des allers-retours ici dans ma partie précédente, dans la première. Votre apparition sur le pas de notre porte m'a laissé pantois, je le reconnais. Mais après réflexion, je me suis dit qu'une personne de l'extérieur... Je ne vais cependant pas vous obliger à nous aider. Qu'en dites-vous? Alors permettez-moi de vous expliquer la situation. Dans des cas exceptionnels, des équipes sont envoyées pour examiner des sites ou récupérer du matériel trop important pour être ignoré. Ouais. Dans 15 ans. N'a pas été annoncé pour éviter toute inquiétude. Quand je serai le seul streamer sur Twitch. Afin de maintenir l'ordre aussi bien que le bouclage, je dois envoyer quelqu'un découvrir ce qui est arrivé à ces équipes. Je suis content de le blindage du bunker nous empêche de les suivre. Si nos pires craintes se concrétisent. J'ai donné l'ordre de vous permettre de percevoir une partie du matériel récupéré. Vous ne pourrez pas obtenir d'équipement prohibé, mais une partie... On y va, Zer. Ainsi, vous êtes la personne de l'extérieur qu'on laisse se déplacer librement. Je m'appelle Hardin. Je suis le paladin en chef de ce chapitre. J'ignore de quoi vous a parlé notre aîné, mais ce chapitre a des ennuis. Acceptez-vous d'entendre ce que j'ai à vous dire? Comme vous le savez peut-être déjà, la base est bouclée. Personne ne sort en dehors des petites patrouilles nocturnes. La plupart des membres sont cloîtrés ici depuis des années. Et de voir les miens en source. À l'entrée en vigueur du bouclage n'ont pu nous rejoindre. Le moral s'est effondré au fil du temps. Et certains de nos paladins actuels n'ont connu le combat qu'en simulation d'entraînement. Tout ça à cause de l'ordre de l'aîné de ne laisser entrer ni sortir personne. Je n'en sais rien. J'ai consulté nos archives à la recherche d'un précédent. Ceux qui seraient les plus susceptibles de le savoir sont aussi les partisans les plus acharnés de McNamara. D'où notre conversation. Puisque l'aîné a des tâches à vous confier, ses fidèles ne vous soupçonneront pas et vous aurez accès à lui. En résumé, vous êtes dans la situation idéale. Tu sais, dans le futur, on peut changer de sexe. Acceptez-vous d'y réfléchir. Peut-être une femme à la base. Hein. En armure rutilante masculine. Ah, je me rappelle de la mission avec les PC. Chien. Bon. Les principes de la fusion sont relativement simples. Désolé, je suis occupé là. Il va falloir m'excuser. Occupé, tu dormais, connard.
Ouais. Le scribe en chef Taggart a vite remarqué mes compétences hors du commun lors de l'examen obligatoire en réalité virtuelle. Peu après, il a demandé ma mutation en tant que spécialiste. Ça me manque un peu de ne plus traîner avec les autres élèves, mais... C'est notre salle d'entraînement en réalité virtuelle. On ne sort plus... Ouais, beaucoup plus. Quand... Je suis à peu près sûre que je n'ai pas le droit d'en parler, en particulier avec les gens de l'extérieur. Je ne sais pas, un peu des deux, je crois. C'est une question que je me pose souvent de... J'ai actuellement le grade d'apprenti de la confrérie, mais je suis au tableau d'avancement pour passer compagnon. Mais avant, je dois choisir mon ordre. Téléchargement terminé. Début de l'enregistrement. Chercheur de l'avant-poste de Navarro, je suis heureux que DE vous soit parvenu. Vous trouverez sur lui plusieurs banques de données. Veuillez traiter ces informations avec la plus grande prudence. Elles représentent toutes mes recherches sur les iBots du Raframe. Il y a aussi quelques banques de données concernant mes recherches sur Poseidon. Le mec couché à gauche. Des projets sur lesquels il travaillait au Morave. Faut bien y avoir un marchand de piou-piou quelque part, quoi. Aussi. Une réparation, une connerie. Maintenant que c'est bien ça. On va se diriger vers les coups de feu. D'armes laser. Entendu ça. Ah. Après ça, j'ai des armes à réparer. Ah, combien vous devez être la personne. Nous gardons toujours d'un. Je devais briller dans la nuit sans capsule, moi je veux bien. Ah non, le ghost ils peuvent se garder. À moins que ce ne soit considéré comme une arme à feu. Mais... J'en doute fortement. L'aîné m'a fait dire que je pouvais vous vendre quelques petites choses. Comme si j'avais. À vrai dire, d'après mon inventaire de la semaine. Il nous manque une arme. Si je ne retrouve pas rapidement cette arme, Hardin va m'arracher la tête. Si vous le trouvez, rapportez-le vite. Vous l'avez trouvé? Nos patrouilles rapportent toujours des choses. Jetez un coup d'œil. Easy.
en Fat Man. Ouais. Faites-moi signe. Chevalier Torres a une valise vu que je retrouve un pistolet. Alors, la première chose à faire de parler au paladin chargé du centre de tir afin de se rappeler qu'il l'utilisait. Paladin qui s'occupe du centre de tir. Où es-tu? Ah, c'est en pleine nuit. Non mais il fait rien de sa journée, ce fils de pute. McNamara a fait du sacré bon travail, compte tenu de la situation. Hardin sera bientôt l'aîné. Vous pouvez me croire. Vous l'avez trouvé? Alors... Paladin s'occupe du stand de tir, mais je vous en foutrais, y'a personne. Alors pas de bêtises. Est-ce que je vais aux chiottes? Bon. Écoutez, c'est pas loin. Bon. De toute manière, on n'avance pas. Je m'appelle... Ouais, je dois maintenir ce système de données en état, mais il est assez... Une de nos patrouilles d'exploration, du temps où nous en faisions, a trouvé un... Nous l'avons catalogué, mais il a fermé une de nos... Ah oui, c'est avec le virus. Dès que nous en avons chargé le contenu. Ouais. Un regard neuf ne peut pas faire de mal. Qui sait? Tout le système est infecté, mais le virus lui-même n'occupe que trois terminaux. On réussit à le coincer sur un terminal ou deux, mais il saute vers un autre ensemble de terminaux avant qu'on ait... Vous devrez le localiser sur trois terminaux différents, ici, en moins d'une minute. Au-delà de ce délai, il est souvent impossible de localiser un virus. Mais le petit prétentieux qu'il a... En général, un terminal infecté affiche n'importe quoi. Mais nous avons découvert que ceux... On les a déchiffrés, et on a découvert qu'il s'agissait de messages. Si vous trouvez des terminaux affichant ces messages, bouclez-les et continuez. Si vous trouvez les trois... Bonne chance. Je vais dire aux autres de vous laisser le champ libre. Oh. Pour augmenter vos chances, attendez... Au lieu de tous s'y mettre tous sur un PC, hein, non, ça serait trop facile. Connard. Le virus a sauté. Mais dans quel terminal il est allé? Ça se joue sur un coup de chance, quoi. Je pensais qu'on pourrait l'avoir cette fois. Thank you.
Vous voulez de nouveau essayer d'isoler le... Apparemment, je vais aller manger. Mes parents ne sont pas là, donc... Si. Pas trop de problèmes après. Je pourrais stream jusqu'au bout de la nuit. Attends. Il faut un moment pour s'habituer au bunker, hein. Je peux pas y rester, je peux pas les couilles. Le virus a sauté. Il est dans quel terminal ? Nous, il est allé. Oh putain. On sait qu'on pourrait l'avoir cette fois. C'est le dernier. Foute ma gueule. Ah, est-ce que tu te fous de ma gueule? Vous voulez de nouveau essayer. Putain. On passe vite chez eux. Putain, ce putain de bug de pas sur le côté, je vous en foutrais quoi. Attends, il a sauté. Je pensais qu'on pourrait l'avoir cette fois. Je pensais une autre fois. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On fait notre petite sauvegarde, je coupe le jeu, je vais manger et je reviens. Voilà, à tout de suite.